Hey, 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. Alors maintenant, comme on fait une fois sur deux, on va faire une mission. On a sept mails. Alors, jardin d'enfants, maison kit, chantier de nettoyage du garage, peinture dans la maison, demande de nettoyage de la maison, maison à rénover, salle de bain et atelier. Peut-être jardin d'enfants, moi j'aime tellement les gosses. Voilà, on va faire ça. Ah, de Ariel Lone. Bonjour. Après quelques années travaillant en tant qu'enseignant dans une école primaire, c'est un garçon, Ariel? Oui, pourquoi pas, d'accord. Peut-être je traumatise à cause de la petite sirène, mais tout va bien. J'ai économisé assez d'argent pour acheter un bâtiment que je veux transformer en une belle école maternelle. Il a été utilisé comme bureau avant, donc il y a beaucoup de choses à changer. Il y a un énorme désordre là-dedans en ce moment. Je suppose que les propriétaires précédents n'aimaient pas beaucoup nettoyer. S'il vous plaît, débarrassez-vous de tous les objets anciens ou cassés, réparez les appareils endommagés et équipez les toilettes de manière appropriée. Oula. Les salles où les enfants passeront leur temps devraient être aussi colorées que possible. Ils adorent donc quand tout autour d'eux scintille de couleurs. Utilisez au moins trois couleurs différentes dans chaque pièce. Oh, quelle horreur. Et s'il vous plaît, mettez des tonnes de jouets partout aussi. Après tout, jouer est ce que les enfants le plus souvent dans un jardin d'enfants. De plus, n'oubliez pas un vestiaire pour les enfants. Quelques cintres et étagères devraient suffire. Je suis sûre que vous pouvez en faire un endroit qui apportera de grands sourires sur les visages des enfants. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux de quoi? En fait, tu me fais peur, parce que tu as été avant enseignant et là tu veux faire un jardin d'enfants chez toi? T'es un peu pédophile, Ariel, tu me fais peur. Vous me faites peur, monsieur. Oh! Ouais, il y aura du nettoyage, je pense, mais bon. Oh, elle est toute verte, la maison! Ah, c'est trop cool! Ça change! Alors, c'est vrai, j'ai des nouvelles pour l'outil jardin, en fait, ce ne sera pas avec le jeu de base, ce sera un DLC et il est en programmation pour l'instant. Il n'y a pas de date de sortie, mais vous inquiétez pas, moi, je l'achèterai, hein, bien évidemment. Je serai une des premières à l'acheter pour qu'on puisse profiter de tout ça. Oh! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a un gros truc comme ça? Attendez. L'objet. On est d'accord que ça fait un gros truc. C'est pour les plantes? Qu'est-ce que on va pouvoir faire quelque chose avec les plantes? Mais c'est pas encore. Ou alors je me trompe. On peut les nettoyer, on peut les peindre. Qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, ah non, je dis j'entends de l'eau. On sait tous que c'est pas l'eau qui va nous attendre, hein. Ça va être des putains de cafards. Oh, je vais fermer la porte comme ça, je suis sûre qu'ils s'en vont pas. Touk touk touk. On se balade, hétéroclite. Et il y a plein de saletés. Hop! Hop! Oh, il va falloir faire les canettes une à une. Oui, il faut que je me remette un peu dans le bain pour jouer parce que ça fait un petit peu un moment que j'ai pas joué. Oh! C'est là derrière que ça grouille. Ah ouais, c'est là derrière, j'ai pas envie d'aller voir. Pas maintenant! Ça va falloir y passer, hein. Tac, tac, et tac. Ici, c'est clean. C'est clean, Jacqueline. Alors, on va commencer par cette porte-là. Effectivement, c'était un bureau. Un bureau d'alcoolique. Comme ça. Oh, il y a un petit cadeau-chat! Oh, attendez. Celui-là, on va le garder. Hop! On va déconner. Oui, moi, je nettoie tout de suite. Hein. Hein, on va pas commencer à se leurrer le champignon. Hein. J'ai de la merde, oui. La 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 la. Je suis montée sur les meubles pour nettoyer la maison. Et je dis de la merde parce que j'aime chanter des chansons. Ok, non, c'est bon. Je suis perturbée parce que j'entends encore le bruit des cafards et ça me. C'est dégueulasse. Maintenir pour ramasser. D'accord, on peut pas.
Ah non, il faut que je jette. Enfin, il faut que je vende tout en fait. C'est ça, nettoyer la fenêtre, enlever les ordures. Enlever l'objet, ouais. Touk, touk. Ok, bon bah allez. Oh! Il vaudrait mieux ne pas faire ça. D'accord. Les boîtes, tu les gardes, c'est ça? Ok, non mais ok, si tu veux garder les boîtes, si t'as un kiff sur les boîtes, monsieur, ça me dérange point. Supprimer. Je ne veux pas gagner de l'argent de cette façon. Non mais c'est bon, mec, c'est qu'un pouf, hein. Ah mais ça, je peux les vendre quand même. Mais t'es sérieux? Tu vas me casser les couilles pour deux tasses? Mais c'est pas possible, le gars. C'est un radin, en fait, hein. C'est un gros radin, monsieur. Va tout mettre sur le rebord des fenêtres, ça va être sympa. Comme ça, on peut voir à quel point... Ah, mais ils ont réussi à empiler deux boîtes. Attendez. Eh, mais tu vas te mettre, oui. Voilà. Là, ils ont réussi à empiler deux boîtes. Moi, j'ai pas réussi, hein, personnellement. Ah, mais alors, le bruit des cafards, c'est un enfer. Ok, bon. Est-ce que... On va se contenter de ça. On va juste nettoyer pour l'instant. J'irai... Les cafards, j'irai après. Ce sera les derniers. Ah, oui! Un bureau. On est bien sur le bureau. Ah oui, pardon. Tac, tac, tac. Oh, les PC! Putain, mais il veut pas vendre les PC. Tu veux que j'en fasse quoi, moi, des PC? Tu déconnes, quoi? Oh, des cartons pizza. Au moins, ce serait une 4 fromages supplément chorizo, s'il vous plaît. Merci. J'adore les pizzas 4 fromages. Ah non, là, il y a une fuite de radiateur. C'est peut-être pas les cafards, alors. C'est peut-être tout simplement une fuite de radiateur qui a aussi... quelque part. Ah bah, dis donc. Ah bah oui, c'était ça, hein. On est d'accord. Ok, c'est bon, c'est propre. On va aller ici. Ah, ben ils sont là, les cafards. Ah non, pitié. Je pensais pas qu'il y aurait des cafards. Oh, les cafards. Et si je nettoie comme ça, hein, ça vous donne le tournis ou pas? Moi, je reste fixé sur l'obturateur, donc du coup, ça va. Mais ça doit bien être désagréable quand même. N'empêche! Il n'y en a plus! Regardez. A plus cafard! A plus cafard! Attention. Oh! Bah ça va, c'est juste des toilettes sales. Ils sont propres comme un sous-neuf maintenant. Oh, mais il fallait juste engager une femme de ménage, monsieur! Pas un entrepreneur qui va vous faire payer. La blinde pourrait faire tout ça. Mais c'est bien, c'est bien. Bon, là, il manque des trucs, non? Ouais, je sais pas. Je suis armée de mon balai. Attention. Ça, c'était le bureau du dirlo. Ouais. On reconnaît. Mais quoi, il veut garder... C'est sérieux. Oh. Tu as regardé le carton de pizza aussi? Attendez. Touk, touk. Allez, je cliquouille. Vrai que le mec, là, ça me fait penser à des bouteilles de citron, là. Truc de citron. Non. Hop. Ok, on est bien. Et ça va, c'est pas trop sale. Et on a les cafards! Pourquoi tant de cafards? Pourquoi? Pourquoi les cafards?
Attendez, il y en a encore un là, un gros là. Attendez, j'arrive pas à le choper, c'est bon. Non, il y en a encore un. Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Mais j'arrive. Attendez, hop, il passe par là. C'était papa. Papa et maman. Et là, il y a leur petit enfant que j'arrive pas à choper. Mais c'est sérieux? Ah, vas-y. Allez! Cette tête cafard. J'en ai le cafard de tous ces cafards. Ah, qui est ici, toi? Putain, il y a des irréductibles, hein. C'est des Gaulois, ceux-là. C'est des cafards gaulois. C'est bon? Je suis pas sûr. On est sûr de rien avec les cafards. Hein. Il manquerait quoi ici? Ah ouais, radiateur de salle de bain, vous êtes sérieux? C'est juste un chiotte, hein. Ils vont pas prendre leur douche dans les toilettes, hein. C'est des bureaux. Alors, c'était bien le bureau du Dirlo, il a son propre toilette. Comme ça, il peut travailler tout en étant en train de faire caca. Ouhouhouhou, non! Ah non! Non. Non, je ne suis pas d'accord. En tout cas, on peut admirer le sublime carrelage. Oh. Franchement, c'était la fête à neuneux à la fin de. À la cessation d'activité, ils ont fêté ça, les employés. Hein. Ils ont dit ouais! Vas-y, on se fourre la gueule! On bouffe 40 pizzas! Ouais! Même le Dirlo, il a mangé une pizza. Mais lui, il pleurait dans son bureau tout seul. Pendant que les autres faisaient la fête, quoi. Tac! Tac, 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 tac. Ah, ils ont été gentils, là. Est-ce qu'on peut vendre des trucs? Oh, j'ai compris, tu veux rien vendre. Ah, oh, tu me casses les burnes, hein, mec. Il y a une tache, pistache. Elle n'est plus poil au cul. C'est quoi, qui, quoi? Ah. Je sais pas. On va s'occuper des Capharnaüm, là. Allez, hop. Bon, je gère quand même mieux qu'avant. Ah, c'est dégueulasse. Mais je voudrais bien les attraper, s'il vous plaît. Venez, viens, viens, mon gros, viens. Viens. Il veut pas, au secours, ah, ça y est. Allez, vous êtes, ils sont partis se planquer, là. Non, 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 je suis pas d'accord. Là, il y a une fuite d'eau, ou alors il y a les cafards encore à côté. J'entends le petit bruit. C'est sûr qu'ils y sont plus, hein. Mais bon, ils sont partis. Ils tremblaient devant ma toute puissance. Ok! Bon, on va rénover après, hein, pour l'instant. Attendez. Se maintenir pour ramasser. Ah, on peut pas ouvrir. Je pensais qu'on pouvait ouvrir les machins bidules. Ah, je vais y arriver. Les tiroirs. Les tiroirs. Les portes. Attention! Mais non, c'était juste une fuite d'eau. Oh, mais alors, quel suspense pour pas grand-chose. Finalement, les fuites d'eau font beaucoup plus de bruit que les cafards. Maintenant, vous le saurez. Vous en aurez appris assez. Ah, et puis ce bruit, quand même, il devenait entêtant au bout d'un moment, donc c'est pas plus mal. Voilà. C'est que des ordures, maintenant. C'est un pack de 3. Ah non, c'est pas ce que je voulais. Paf. Ah mais c'est bon. C'est bon. Maintenant, on va passer à l'installation, les trucs mûches, là. Tout le monde, on est bien. On va commencer à peindre et installer tout ce qu'il faut installer. Et voilà. En plus, il fait 18 mètres carrés, ce couloir-là. Je trouve ça, mais... Une perte de place incroyable. Oh, incroyable, c'est vrai qu'ils ont fait des échafaudages. Alors, j'ai pas fait attention. Pêche claire et pêche velours. Mon dieu, ça va être encore très moche. Pêche claire et pêche velours dans la peinture. Ta 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 ta. Ça va être une bonne grosse mission. Acheter un. Pouf. Et pêche claire.
Alors, comment qu'on va faire? Le poche clair. Pêche claire, je vois peut-être bien sur les côtés. Et le fond. Et juste, peut-être ces deux murs-là en pêche. Avec le mur là-bas, en pêche machin là. Pêche velours. Quand il faut, il faut, hein. Parti. Passer à l'autre couleur. Est clairement moins joli que l'autre, mais bon. Oh. Brouac. Les goûts, les couleurs, hein, vous voyez. Bon. Qu'est-ce que vous en disiez? Voilà. Ah, je vais peut-être faire le contour. Voilà. Ah, bah non, non, j'ai pas besoin. C'est sympa le fond comme ça, plus foncé. Hein, on est d'accord? Poser les carreaux de sol, carreaux en céramique orange. Oh mon dieu, quel goût de merde. Carreaux de sol, céramique orange. Oh, quelle horreur! Oh, mon dieu. Ah, oh, c'est dégueulasse! Il n'a pas conscience, le monsieur! Oh, c'est hideux! Oh, je suis dégoûtée. Bon, allez, on va commencer par cette pièce-là, qui donc nettoyer la fenêtre, bien sûr, peindre avec les couleurs herbe printanière et fraise souriante et bleu royal. Oui, d'accord, très bien. Placer l'objet tableau blanc. Oui, ben, on va nettoyer les fenêtres avant. Non, c'est celle-là qui craquera. Qui écrase pouec. Tchouk, tchouk. Oh, dis donc, dis donc, dis donc, est-ce que ce serait pas imperfect pour la première fenêtre de cette mission? Faut que je me remette dans tous mes états. Peindre avec les couleurs herbe printanière, fraise souriante et bleu royal. Oh la vache! Alors, herbe printanière. Herbe printanière. Fraise souriante. Parce que si elle sourit pas, on n'en veut pas. Fraise souriante. Ah, c'est ça, fraise souriante. Oui, c'est acidulé et bleu royal. Oh. C'est pas un vrai bleu royal, hein, monsieur. C'est plus pastel, là. Bon. Qu'est-ce qu'on va, comment, on va faire quoi? Il y a combien de murs ici? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on peut faire deux murs de par couleur. J'en ai foutu aucune idée. Il y en a, ils diraient déjà, oh oui, non mais je vois bien la couleur là et tout. La couleur la moins dégueu, je dirais, c'est peut-être le vert ici. Vert et bleu là. Et fraise. Ouais, on va commencer comme ça, parce que là, sinon on va jamais y arriver. Allez, c'est hyper mon kiki. Oh chef, j'ai bavé. Bon, on va prendre un peu de recul. Oui, c'est pas mal. Elle fait combien de mètres carrés? 28 mètres carrés, dis donc. Eh ben, c'est presque autant que mon appart. Et là, c'est qu'une pièce de la maison. La douleur.
Et là. Alors, on va plutôt se mettre là. Waouh! Avec l'orange, ça ressort bien quand même, hein? C'est laid, ça reste quand même pas quelque chose de normal. Je mets les deux fraises souriantes ici et là, non? C'est-à-dire que le vert, je le remettrai là et je mettrai du bleu là. Ça va être affreux. Ah, mais je préfère vous le dire direct, hein, parce que. Je sais pas trop si ça va se marier, mais bon, on s'en fout. Le client est roi. Il veut mettre. Merde, j'ai bavé, chef. Il veut mettre des couleurs de ce style partout, bah, il les aura, hein. Ça donne comment? Ça fait pop pop. Donc là j'ai dit vert et là bleu. Ok. Qui a dit que ce serait moche? J'ai entendu quelqu'un qui a dit ça hein, dans les commentaires. Vous abusez. Hein. On ne critique pas les goûts et les couleurs des clients. Ils payent à la fin. Regardez, on a déjà gagné 6 000. J'allais dire simflouze, dollars, non euros. C'est pas compliqué à retenir, c'est des euros, c'est ce que je rêve d'avoir hein, dans mon portefeuille. D'ailleurs, je vais changer de vie et je vais me mettre à la peinture. Voilà. Je vais monter des radiateurs, monter des douches, monter des lavabos. Et puis bah, faire de la peinture et je vais faire des devis aussi chers que ça. Et là, les gens ils me diront, mais va te faire foutre! C'est hors de prix! Et je dis, bah non, mais dans House Flipper, c'est ce qu'ils font, non? Voilà. Alors, et là maintenant? Ah, c'est. Et je vais faire le tour de fenêtre en fraise et le tour de fenêtre là en vert. Oui, j'ai encore entendu, hein, ça va être dégueulasse. Si tu sais, si tu veux mieux faire, je t'invite à t'acheter le jeu et à faire cette mission et de me la mettre sur YouTube et je viendrai voir ton œuvre. J'avais dit vert. Hein. Faire des opposés. Et comme les opposés s'attirent. Et je dis plein de conneries. Non, j'ai bavé! Voilà, c'est peindu! Waouh! C'est moche! Mais alors, le vert sur le fraise comme ça, c'est pas terrible. Mais ici, c'est beaucoup mieux, en fait. C'est le fraise souriante qui est pas non plus. Bon. Placez l'objet! Tableau blanc. Table blanc, je vais dans tous. Et je vais faire ça. Et bleu. Et bleu. En acheter un. Je vais le mettre. On va le mettre à un endroit où les mioches pourront aller. Tchouk. À hauteur de mioche, hein, c'est-à-dire là. Ça rajoute une touche de fantaisie, de blancheur sur ce mur. Placer l'objet 2X table d'enfant MAM. Alors, malheureusement, est-ce qu'il n'y a plus à la. Alors, table, alors, ça doit être dans table. Si je regarde pas au bon endroit déjà. Table d'enfant, MAM. Alors, nous avons azur, blanc, rose et citron vert. Oh! Oh! Oh, rose, allez, tant qu'à faire, on va mettre encore plus de couleurs. J'allais la prendre là. Quand même. Et une autre en azur. Ouais, trop fun! 8 chaises d'enfants. Mon Dieu. 8 chaises d'enfants. Chaises d'enfants, c'est ça. Alors, on va en prendre 2 bleus. Ah oui, c'est vrai, moi j'ai pas acheté un. Voilà, 2 bleus. Ça, on va les mettre là. Ensuite, on va en prendre 2 vertes. Acheter beaucoup, oui. On va les mettre là. S'en fout de ce qu'ils en font, en fait. Mais je peux la placer où je veux, oui. Voilà. Non, non, c'est bon, on va changer de couleur. On va acheter le rose.
Bah non, on va la mettre là. Là où il n'y a pas de rose. Après, elle sera à côté du radiateur. C'est pas cher, la chaise enfant. C'est 9 euros et 12 centimes précisément. Et blanc. Ah oui, blanc, c'est bien. Blanc, c'est la vie, c'est bien. Hop, et on va mettre une chaise pour. Allez, on va mettre une chaise pour celui qui est puni. Celui qui est puni, qui va au coin. Paf, il aura une chaise blanche. Voilà. Ensuite, deux rideaux et trois à installer. Chouette. Deux rideaux et trois à installer. R, R, S, non? Ok. Je. Ah, store et rideau. Rideau et trois à installer. Et des courts ou des longs? On n'en sait rien. Hein. Oh là 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 là. Pour garçon, fleur délicate. Fleur grise. Carreau. Oh bah, si on peut y aller en plus dans le mauvais goût, on va encore faire une. Ouais, allez, magenta. Non mais. Je peux pas installer ça, si. Allez, on s'en fout. Ah. Oh, on est parti dans le magenta, ça va être magnifique, hein, je vous le dis moi. Waouh! Je crois que c'est pas ça qu'il fallait. C'était un long, non? Rideau et trois à installer. Bah écoutez, on va voir, hein, celui-là, je. Rideau et trois à installer. Mais oui, mais ils ont le même intitulé. Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Herbe verte, vert foncé, orange. Oh. Oh, allez, on va mettre un orange, tiens. Un truc bien dégueulasse. On peut pas le mettre. J'ai pas assez de place. C'est parce que j'ai mis tout mon barda ici? Oh, c'est les gosses, hein, ils font le bordel, hein. Qu'est-ce que je te dise? On va mettre ça là. Hop. La boîte. Ah bah si, là on peut les emparler. Hop, ils vont jouer à la dinette. Et les bouquins. On va les mettre là. On peut l'installer le truc moche maintenant, s'il vous plaît, madame. Non. Donc c'est un cours. Ouais, on va le prendre en orange quand même. Hein. Non mais je veux dire, quitte à ce que ce soit dégueulasse, autant y aller. À fond les ballons, vous pensez pas? Sur du vert et du fraise souriante. Du vert printanier et des fraises souriantes. Ouh! Oh, magnifique! Mais par contre, ça me le valide pas. Hein. Donc je sais pas. J'ai pas mis les bonnes. J'ai pas mis les bonnes trucs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je vende? Mais si je peux pas installer le rideau étroit. Bah écoutez, je sais pas. On va voir. J'ai changé de couleur en plus en même temps. Je veux dire, du bleu, pourquoi pas. C'est bon pour l'éducation des œils! Ah, le deux fois, c'était que pour un? Mon Dieu. Donc là, en fait, j'avais bon. De toute façon, on peut pas installer celui-là. Faut prendre celui-là. Merde, c'est pas celui-là. C'est pas ce que couleur là que je mets. Oh, là, on va changer, on va mettre lila. Touc. J'appuie pas sur la bonne touche. Ah, bah non. Ben, je sais pas. Il va commencer à faire nuit là. Je peux pas l'installer là, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis coincée. Bah tant pis, hein, j'ai envie de dire, on va passer à la truc suivante. Hein, si on peut pas installer parce que.
Parce que le jeu a pas voulu. Voilà, j'y peux rien. On va passer dans les pièces suivantes. En plus, il va commencer à faire nuit. Oh, ce couloir, il est tellement laid. Pouh ! J'en suis choquée. Alors, ici. Couleur bleu royal et pêche claire et rose pastel. Ok, donc je vais juste acheter le rose pastel parce qu'on a encore les autres couleurs. Ouais, il reste plus beaucoup de pêche claire quand même. Pas abusé. Et le bleu royal. Il n'y a pas de petites économies. Ok. Qu'est-ce qu'on va peindre? Je m'en fous, mais alors. Je m'en cogne. Allez, hop, on va faire ça en rouge. C'est bien laid, tout ça. On va faire le contour en bleu et en pêche. Voilà, on va faire ça comme ça. Bien dégueulasse. Vous pouvez le dire. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est laid! Mon dieu que c'est laid! Allez, un petit nettoyage de vitre pour se remettre de nos émotions. Oh, celle-là, elle est grande en plus, hein. Attention. Oh là 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 là, le skills! Ah, le skills, les enfants! Est-ce que c'est laid? Nettoyer la fenêtre encore! Oui, nettoyer toi-même. Comment ça, je suis payée? Oui, alors. Vous savez, hein, je suis vraiment là pour tout faire, moi. Je vous jure, j'ai l'impression que c'est pas moi qui joue et que j'ai juste à appuyer et le jeu, il le fait à ma place. Alors, placer l'objet rideau étroit. Ah, mais non! Pourquoi tu me fais ça? T'es pas gentil. Oh, c'est bizarre cette. Je veux pas installer des rideaux étroits. C'est compliqué, on sait pas lesquels mettre. Ouais, on va prendre celui-là. Ça, apparemment, ça fonctionne. Ouais, mais si l'autre il a le. Il a le machin en dessous, on est pas dans la. Bah ouais! Rideau large. Mais je comprends rien, moi. Ah oui, est-ce que c'était une paire de rideaux? Rideau large. On va prendre cyan aussi pour rester dans le thème. Maintenant, on est sur un mur bleu. Allez, magenta. Un truc bien dégueulasse. Mais non, je peux pas l'installer. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, monsieur? Je peux le mettre là? Mais... Ouais, mais il veut pas le jeu. Mais non, mais là je suis confuse. Mais je peux rien faire. Oh, c'est nul quand même là, je comprends pas là. Je comprends pas. On va s'en fout, on va aller ailleurs. Hein.
J'ai regardé sur internet si les gens ont réussi à faire quelque chose. Ouais, on va nettoyer la fenêtre. Bah, dis donc. Poser les carreaux de mur. Oh non. Orange. Ah, oh, mais c'est pas beau. Carré de. Oh non, ils vont remettre du orange, au secours. J'ai envie de quitter la mission, c'est dégueulasse. Il est affreux, elle est affreuse cette mission. Mais les mecs, ils ont pas de coups, hein. Achetez beaucoup. Oh là là. Oh. Oh. Mais c'est laid, mon sang! Mais qui c'est qui aime cette couleur? Oh! Alors, carreaux en céramique orange et carrelage en céramique mosaïque sépia. Rien que ça! Alors, orange et mosaïque sépia. Déjà pour commencer, mosaïque sépia. Ah, c'est ça! Ah, je vais mettre plus de ça que. C'est déjà pas mal, non? J'ai pas envie de me carreler, c'est chiant. C'est long. Ah, puis alors j'en ai aucune idée de ce que je vais faire. Hein, là, franchement. Je vais mettre du orange là, tiens. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est laid? Bon sang, bonsoir. J'ai envie de vomir. Voyez, comme ça, je fais des lignes. Hein? On dirait que c'est graphique. T'es content, monsieur? Et il faut pas faire à l'intérieur, j'espère. Ah, enlever l'objet? Pourquoi? Ils te plaisent pas, les toilettes? Oh. Bon, au moins, je crois qu'on a pas à refaire le carrelage à l'intérieur. Ok. Je vais reprendre. Et il y a combien de murs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire les. C'est très moche, mais franchement, je suis à un point où cette mission, c'est. C'est mauvais goût, du mauvais goût, quoi. Là, franchement. Bon. Bah, je vais carreler, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, je rapproche mes munitions. Sais pas, je vais mettre là-bas. Bon, ben voilà. On est parti! Ben voilà, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre concernant les carreaux. C'est pas très grave. Voilà, les chiottes revisitées. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est moche. J'ai fait ce que j'ai pu avec la gueule des carreaux que j'avais parce que franchement, c'est pas terrible. Là, c'est ok. Mais ici, on doit virer les chiottes. Pouf! Mais c'est une blague, je croyais qu'il y avait deux toilettes à changer. Alors, monter les équipements, placer compact Fari. C'est compact Fari. Alors, du coup, c'est. Oh là là. Oh, je perds mes mots. Fari. Ok.
Excusez-moi, il a besoin de place, le toilette, pour que je puisse s'installer tranquillement. Y a pas grand-chose à faire, c'est facile. Et voilà, un toilette de montée. On arrive presque au minimum de la mission. Ça m'arrange puisque comme je suis coincée avec les rideaux. Ici c'est... Au revoir, les toilettes moches. Oh, ce couloir. Pouh. Regardez cette superbe pièce magnifique au demeurant avec le rideau large à placer. Peut-être que celui-là devait aller là et que le rideau large doit aller là. Mais j'en sais rien. Alors, le bureau du patron. Quelle grandiloquence pour ce bureau. Placer l'objet étagère de bureau. Nettoyer les salissures, monter les équipements, nettoyer la fenêtre. Ah, allez, ça y est. Je n'arrive plus. Mais viens ici, Jean-Jacques! Ah là là! Tout, 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 tout. Voilà, j'ai réussi. Monter les équipements. Qu'est-ce qui te manque? Ah, il installe une climatisation et... Ça a installé. D'accord. Bon. On va monter l'équipement, on va faire la climatisation. Donc, acheter une climatisation et l'installer ici. Donc, c'est dans installation, il me semble. Non, du coup, je sais plus. Oui. 488 euros! Ouais, payé. Heureusement qu'on va être grassement payé pour ça. Hein. Alors, si vous ne savez pas comment fonctionne une ventilation, eh ben, voilà. Une climatisation, une ventilation. Qu'est-ce que... Ah. Tchouk. Il veut pas que je mette le verre. Les gars, il s'est barré avant. Il dit, oh, ça va. T'as mis que 3 fils sur 4, mais... Ah non, en fait, ça va. C'est parce qu'il changeait juste d'angle de vue. Ok. J'ai rien dit, mon ami. Ah. Il faut pas... Ah si, il faut... Et là, il faut pas faire. D'accord. Moi, je sais pas. Oh! Et on remet le cache. Ah, bah, c'était facile! On va peindre avec les couleurs vert lourd et vert pistache. Très bien. On est reparti dans la peinture, hein. Peinture, vert lourd et vert pistache. Vert lourd. Et vert pistache. Oh, c'est joli le vert pistache. Ben, voyez, ces deux couleurs-là, je les préfère largement quand même. Ah, il n'y a pas photo. Alors, on va mettre le velours. Le lourdeau vers la fenêtre. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Ah, mettre un petit coup de verre pistache ici pour égayer. C'est pas mal. Pour l'instant, du coup, je vais mettre du verre. Oui, c'est bon ce que je voulais faire, madame. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur, vous voyez, votre enfant, il a fait des conneries, vous voyez?
Et donc, il faut juste placer deux objets. Étagère de bureau. Étagère de bureau. Étagère de bureau. Je suis pas sûre de... Ouais, je vais taper. Étagère de bureau. D'accord. On va peut-être... Ouais, en blanc, c'est pas mal, non? Détail gris. Poirier africain. Faut que ça aille avec son... Non, poirier africain, c'est pas mal. Faut que ça aille avec son... Son bureau. Bah ouais, mais là, on aura pu voir la peinture que je viens de faire, quand même, hein. René. René, t'as gâché la peinture. Voilà. Placer l'objet rideau étroit. Ah non! Pas le rideau. Pourquoi vous faites ça? Je vais encore être coincée. Rideau étroit. Oh, je prends le premier qui passe, hein. Store et rideau. Allez, hop. Oui. Moi, je m'en fiche. On va installer. J'espère que c'est bon parce que pour y passer la nuit, moi. Ben non. Non, non. Non, non, c'est pas ça. Je sais pas. Mais celui-là peut se mettre aussi, donc on va voir. Et ça a fonctionné alors qu'il y a un machin? Ben alors, moi je sais pas, moi les enfants. C'est peut-être que je m'étais gourée. Hein? Je me suis gourée. Et là? Monter les équipements, nettoyer la fenêtre. Ok, alors on va nettoyer la fenêtre tout de suite. Avec une petite fenêtre comme ça. Oh, j'arrive quand même à faire de la merde. Ok. Alors, il veut un chauffage de salle de bain. Dans installation, chauffage de salle de bain. Parce que si, il a peur d'avoir froid à ses fesses quand il ira se branler dans les chiottes après avoir maté des gamins toute la journée dans sa maison. Comment ça, c'est... Je suis gore. Mais non! Quand même! Le mec, il est chelou, quoi. Ah, oh, il y avait rien d'autre à faire. Vous êtes sûr, vous voulez pas refaire le sol, hein? Mais non, c'est bon. Et c'est parfait! Hop! Je m'en vais. Oh! Qu'est-ce que c'est là? On a encore la cuisine à faire. J'espère qu'il faut pas carreler. Carreau de sol. Oh si! Faut mettre! J'ai pas enlevé toutes les ordures. Il faut enlever les trucs ici. Pour ramasser, pour ramasser. Oh, les coquins! Merde, j'ai cassé la machine à café. Ils avaient planqué des canettes dans le meuble. Les coquins! Zut! Bébé, vous, je vous ai tout étu! Nettoyez la fenêtre! J'en ai marre de nettoyer les fenêtres. Elle est trop longue cette mission, putain! Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Enlevez les ordures. Mais. Ah oui. Non? Non? Tous les ordures. Oh, j'ai foutu du carreau orange ici. On dira rien. Toute façon, faut refaire le sol. Donc, on va refaire le sol. Il n'y a rien au-dessus du frigo. De toute façon, il n'y a rien sur ma map. Donc... Ah! On peut terminer la mignon. La mignon. La mission ici, on a 13 000 euros de gagné.
Carreau de sol, carreau en céramique vert. Carreau de sol, céramique. Alors, vert. Oh! Je suis pas sûre que ce soit la joie. Hein. Ouf! C'est hard quand même. J'aime beaucoup le vert, mais là. Ah non, j'aime pas. Poser les carreaux de mur, carreaux en céramique vert et carreaux de céramique gris carré. Ah, carreaux de céramique vert. Vert classique, vert clair. Oh là là. J'en ai pris trois, on verra. Après, c'est quoi? C'est gris. Gris carré, oui. Gris carré, je l'ai vu. C'est ça. Non, bah finalement, je vais mettre plus de gris carré que de vert, hein. On est d'accord, les enfants? Hop! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je sais même pas par où commencer. Et si je commençais déjà à faire des rayures. On va faire la même chose, on va faire des rayures vertes, hein? Truc... Ah, mais c'est. J'aime beaucoup le vert, mais là, non. Voilà, on va faire là, allez. On va faire deux rayures comme ça. Ce sera très conceptuel, hein, ma maison. Bah là, il y aura une seule rayure. Hein. C'est pas grave, ça fera deux ici, puis là. Enfin, une rayure de un carreau et une rayure de deux carreaux. Je vais faire là, ici. Non, je peux pas. Non. Alors ici, je peux faire. Voilà. On peut faire du blanc et gris maintenant? Je pas. C'est quoi le milieu? Oh, je vais en faire ça. Au pif, hein. On respire quand même un peu avec ce blanc-gris. Hein. Franchement, le sol en vert comme ça, non, non. En petites touches, mais pas comme ça, les enfants. Bon, après, ce qui est bien, c'est que hein, les épinards qu'on fait tomber à midi, on n'y voit que du feu, quoi. Voilà, 100% dans cette pièce. Allez. Oh, j'oublie toujours que ce truc est orange. Oui, il faudrait que je finisse les rideaux. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait la petite salle d'attouchement. C'est horrible. Ah, enlever les objets. D'accord. Ouais, mais moi j'avais peur qu'il me gueule dessus parce qu'après il va dire oui, j'ai du tout quand même. Je suis pas radin. Je ne veux pas gagner d'argent comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, wouh, 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 wouh. Là, ça y est, je suis fatiguée. Ça fait 1 heure que je suis sur cette maison, j'en peux plus. Des trucs qui vont être tellement longs, l'épisode. Je m'en excuse. C'est indépendant de ma volonté, je ne sais pas à quoi je vais être mangée à chaque fois que je commence une mission. Donc, vous imaginez quand je refais toute une maison, je passe 3 ou 4 heures dessus, quoi. C'est énorme. Mais au moins, je la peins pas avec des trucs pêche, velours de 3 couleurs différentes. Quoique, peut-être la prochaine, si je vise le styliste, je vais peut-être abuser des couleurs. Peindre avec les couleurs poire mûre et jaune soleil. Oui, d'accord. Poire mûre. Alors, poire mûre, c'est vrai que je l'avais vu. Il est bien.
poire mûre. Ouh, c'est acidulé, hein. Et jaune soleil. C'est 1, 2, 3, soleil. Jaune soleil. Oh, il est moins pétant que j'aurais pensé. Bon, alors, j'ai pas de choix. Vraiment, je m'en fous. On va mettre la poire ici, allez. Ah, j'ai bavé un peu là-bas. 98. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Là, je les ai fait, les rebords. Ah! J'avais pas recouvert entièrement. Bon, c'est bien. Je pense qu'au niveau des peintures, on aura fini ce qu'on veut. Placer l'objet canapé grenade. Des canapés au milieu de la nuit. Cours vers l'aventure au galop. Canapé grenade. Cuivre. Ouais, azur blanc. Gris marron. On va prendre blanc, hein. Mais est-ce que bon? Je pense que ça sera déjà pas mal. Faut qu'il soit contre le mur. 8 petites armoires à chaussures. C'est une blague. 8. Ça. Prends en vert. 8. Mais... faut se calmer, hein, les gens. Il n'y aura pas tant de chaussures que ça à ranger, hein. Mais vous voulez-vous que je les mette? C'est le devant ou c'est le derrière, ça? Non, c'est le devant. C'est flippant, hein. Je crois que le mec, il est fétichiste, hein. Ah non, mais là... Eh, il est pédophile et fétichiste des pieds. C'est quand même... C'est une maladie, monsieur. Il faut la soigner. Deux fois un tableau blanc. Un tableau blanc. Un tableau blanc. Je vais... Oui. Acheter beaucoup, si on veut. Tu vas en mettre... Non, je peux pas mettre là. Pourquoi je peux pas? Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Et puis je l'ai pas mis dans le bon sens, surtout. Tort des mouchetards, là, encore, hein. Et puis un derrière, ici. Mais pourquoi je peux pas le mettre? Si, je peux. Voilà. 16 crochets, la vache. Crochets. On a acheté beaucoup. Il m'en faut 16. Très bien, très bien. Très bien. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, mais what? 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ça va? Hein? Ah, c'est pas du tout la même hauteur! Je m'en cogne! Hein, voilà, il va toucher les petits enfants là, tout ça. Oh, c'est la maison du pédophile fétichiste, hein. On dira pas le contraire. Alors, je vais retourner avec mes rideaux. C'était les longs, hein. Ouais, je vais vendre celui-là alors. On va essayer de réinstaller un étroit long. Mais bon, j'ai franchement. Après, si ça fonctionne pas, je laisse béton, hein. Ah, mais ça fonctionne pas, je peux pas le mettre.
Ah, mais laissez-moi passer, bande de chiens de gosses. Voilà, c'est le bordel ici. Si on peut pas. D'accord. Bon, eh ben non, mais monsieur, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je suis bloquée avec ce truc de rideau. Parce qu'en plus, il y a plein d'autres trucs à installer, mais là, je peux pas le faire. Ou alors attendez, moi je vais voir de mon côté sur internet si les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je sais qu'il y a déjà eu cette mission de fête, je l'avais pas regardée du tout. Donc comme quoi, des fois j'ai encore des surprises, hein, et je vais voir s'ils ont réussi à mettre le rideau et qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon, que dire? En fait, je vais laisser tomber parce que les autres joueurs ont aussi. Je vais même regarder un truc en espagnol pour vous dire, ils arrivent pas à placer le truc ici. Donc, bah tant pis, la mission ne sera pas terminée, mais j'ai quand même pas mal de choses. J'avais vendu le verre là-dedans. Oui, j'avais tout vendu, puis c'est pas la place que je pensais. Ouais, j'avais tout vendu. Ouais, donc en fait, on va pas terminer cette mission. C'est chiant, mais j'ai pas d'autre choix en fait. Je peux pas. Je peux pas. On peut pas placer le rideau, regardez, il y a encore 33 choses à faire, mais je peux pas. Tant qu'on peut pas placer le rideau, c'est mort. Je vais retenter de placer le long ici, mais. Bah ça installe. Ouais, mais ça me valide pas, je crois. Je sais plus. Écoutez, je perds la boule, je ne sais, je me souviens plus. En tout cas, dans l'autre salle, c'est sûr que ça bug. Placer rideau large. Tu veux qu'on installe ici le rideau large? On va essayer alors. Rideau large installé. On va prendre plutôt celui-là. Pour garçon. Non, on va rester dans les mêmes couleurs. Ok. Et si on le mettait sur le mur là? Peut-être pas, hein? Bah non. Bon, voyez, ça bug. En fait, voilà, on va terminer la mission ici. Ça m'embête parce que j'aurais voulu vraiment aller jusqu'au bout. Mais, bah, c'est pas possible, quoi. Donc, encore, je vais faire ça bien. Je vais même ranger les boîtes. Voyez, je suis sympathique. Je suis une gentille fille. Bon, on va quitter cette. Est-ce qu'on veut le vendre, celui-là? Je pense pas. Hein. Je vais le replacer. Voilà. Et on va quitter cette maison et cette mission. Et tant pis, on n'aura pas été jusqu'au bout. Oh, ce carrelage. Mais au moins, on aura tenté le coup. Ah, un peu d'air. Je sais toujours pas pourquoi il y a une espèce de truc par-dessus là. C'est rigolo. Allez, petit jardin d'enfants bizarre de pédophile fétichiste des pieds. Salut. 96% de chantier. Ouais, on termine, on a gagné 16 000 euros en plus. Ça fera des pépettes puisque je vais acheter la petite maison qui est un peu plus petite. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour la suite de House Flipper ou d'autres choses. Allez, salut!